Eat it, nosy. Dégage, gros pif. C'est moi, gros pif. Mais je crois que c'est mon perso qui t'a dit ça, ouais, je crois que t'es sérieux? Ça dégoûte. Elle a un tout petit nez. Attends, Rihanna, là. Bonjour, VOD, on est sur Grounded. On découvre plus ou moins. Et on débute le marathon seulement maintenant. Et du coup, pour moi, j'ai un crafté. T'as trouvé... Je me rappelle plus. J'aime plus juste l'intro. En fait, au début, faut reprendre des... En fait, faut un peu scanner tout ce qu'on peut. Ça débloque des crafts. Ça nous permet d'avancer, déjà. Ah oui, faut scanner, oui. Parce pour que le moment, moi, je scanne un peu ce que je trouve. Voilà. Parti, ça commence. Mais tu sais, t'as des charges, tu peux pas spam. Bon, faut fabriquer des objets. Pourquoi j'ai un point d'exclamation dessus? Analyseur de ressources. J'imagine que si je peux pas analyser, c'est déjà fait. Faut fabriquer en gravillon. En gravillon. Donc ça tourne de 228 heures. Eh, c'est bon, vous avez vu comment j'étais à la fin des 30 heures, là, déjà. Et bon, si j'avais bien dormi avant, j'aurais fait un marathon mieux. Franchement, je referais bien, mais sur un jeu, ouais. Un marathon d'une nuit d'un jeu. Mais j'aime bien prendre mon temps sur les jeux, alors je sais pas. Bah justement, ça peut te laisser... Tu t'en fiches de le finir, le but, c'est d'y jouer la nuit, tu vois. Tu peux te laisser le temps de faire ce que tu veux. Putain, pour Breath of the Wild, si je peux, je ferais trop ça, je crois. Enfin, Tears of the Kingdom. Ouais, Tears of the Kingdom, ouais. J'avoue que celui-là, Day One et toute la night. Hein. Est-ce que je peux déjà crafter des trucs, moi? Je peux recréer la corde. Ah, oh, je sais pas. Moi, ce qui me saoule, oh la vache, y'a déjà des fourmis. Il me faut des aiguilles à chardon, mais ça j'ai pas. Il me faut une hache, ah oui, hache en gravillon. Il me faut des petites herbes à la con. Genre ça. Ça hésite pas en coupé, putain, c'est fou ça. En coupé, c'est... des mûcherons coupés. Ah, ouais, j'ai un accent brésilien quand je joue à ce jeu. Oui, j'ai très le Brésil. Mais mince, c'est quoi, branchette? En tout cas, les feuilles de trèfle, c'est pas mal à couper, ça permet beaucoup de choses. Moi, j'ai pas de hache en gravillon. Bah, tu peux looter un petit peu des choses et la faire assez facilement. C'est quoi les branchettes? Je loot plein de trucs qui ressemblent, mais c'est pas ça. Truc vert au sol, je crois. Bah ouais, mais c'est les tout petits, c'est pas ça en tout cas. Ah, c'est les grandes. Non, c'est les plus grands, ouais. Ok. Et les deux sont importants à loot, les petits comme les grands. Ah ouais, là on a un grand. Ok. Je vais pouvoir me faire une hache en gravillon. Alors on récupère des objets. Faire à fond. Les gros ça sert plus que pour la base, mais ouais, les petits comme ça c'est parfait. Ça sert à quoi les petits? Ça permet à faire un peu plus de choses, c'est pratique. Et surtout faudra les scanner. Ouais, j'ai jamais scanné, attends, je vais passe scanner. Un gravillon. Vas-y, ouais, bah regarde ce que tu peux scanner. Ah, c'est un gravillon. Peut-être en faire plusieurs, donc n'hésite pas. Ça débloque des graphes pour tous les deux, de toute façon, ça marche pour tout le monde. Ce jeu est très très porté sur la coopération. On est parti, hein. Ah oui, il faut que je fasse mes défis aussi. Du marathon d'ailleurs. Marathon sur Elden Ring. Tu recommences depuis le début, sur un nouveau personnage par exemple. Wow. Marathon, ouais, peut-être pas. On le fait à deux. Ouais, mais faut que je finisse. J'y ai joué hier, mais j'étais nul. Après, de toute façon, il te reste deux boss. Hein. Je veux les faire. Mais de toute façon, tu perdras pas ta partie. Faut faire terre terreur. Et à mon avis, c'est pendant un marathon qu'on rejoint d'une manière. Quoi. Merci beaucoup pour le sub, c'est très gentil. Ouais, c'est pour être sub T1, merci, c'est adorable. Merci, bienvenue. Merci beaucoup. Allez, on est parti. Pour let's play Euro Truck. Non, mais il faut que je fasse Paris. Faut que je fasse Bruxelles-Paris sur Euro Truck. Oh là là. C'est un de mes défis. Tu le fais de temps en temps en voiture, ça te suffit pas? J'écouterai Rire et Chanson. Rire et Chanson.
Non, je crois... il y avait plein de radios, il Enfin, me une semble. version un peu différente, quoi. C'est bon. On peut Amusement réactiver le et rack. musique. Voilà. Rire et chantons, tu sais. Sourire et chantons alors. Avec Bev Adams. Toutes des versions non à la con. Ah oui, c'est vrai que ça, il faut récupérer. J'ai joué aussi Bon. à ce jeu-là, Ah, mais t'as j'avais scanné rien des trucs ou compris. pas? Alors, il faut. J'ai essayé, mais moi, j'ai plein de trucs que je peux pas scanner. Mais oui, je suis en train de. Je suis en train de Viens, tu scanner scannes, là. viens. Viens de toi. Mais en gros, le principe Terre Terreur, c'est que. Tu dois développer, pardon, enfin, trouver, débloquer des nouveaux crafts en analysant, comme on fait là. Et t'as tout un petit scénario où, bah, basiquement, les petits persos vont essayer d'en trouver leur taille, je pense. Ouais, c'est ça. Et t'as plusieurs zones à découvrir dans le jeu qui peuvent t'aider à avancer dans les quêtes principales. Et je vois Royal qui essaye de parler dans son casque sans me déranger. Du coup, il parle comme ça. Ça me fait très bizarre. Je le vois On entendait un Ah, peu tu dans l'entendais un le fond. Et du coup, le premier truc, c'est d'analyser. Ah, mais Oh, une muche! il en faut 3, j'imagine. Oh, j'ai une muche. Bien sûr. C'est d'analyser tout ce qu'on trouve pour débloquer des nouveaux crafts. C'est un jeu de survie après classique, donc on fait sa base, on doit se nourrir, on doit boire, on doit s'équiper, tout ça, tout ça. Et plus on avance, plus on va débloquer des équipements qui seront potentiellement intéressants pour nous. Ouais, et dans le jeu, bien manger, c'est important. Ouais, faut que je bouge, je crois, d'ailleurs. Est-ce que t'as fait un petit feu de camp? J'ai fait R. Est-ce qu'on ferait pas un petit feu de camp? Mais faut savoir où se mettre, en fait. Je en fait, Ouais, c'est mais un au pire, on endroit fait un feu. pourri. Ben moi, je sais qu'on s'était mis près de la cassette. Non, c'est pas une cassette. Près du circuit Ouais, imprimé, moi, là où je ne sais rien. je pense pas que c'est terrible. Bah, l'avantage, c'est que t'as déjà un intérieur en fait. Mais oui, après, c'est surtout que c'est un repère, comme un autre. Il me faut des gouttes d'eau. Ça t'en trouve, regarde bien, au sommet des herbes. Ouais. Je regarde. Ah, mais là, je suis dans l'eau. Ah, mais cette eau-là, je crois qu'elle est toute dégueu. J'avais essayé de la boire Ouais, il y dans a la écrit dernière. boire de l'eau croupie, si ça t'est, si c'est écrit ça, évite. Ah, ok. Oh, bah, c'est complètement de l'eau croupie, ça. L'eau croupie, c'est pas bon. Maman, je trouve pas d'eau. Ah, si. Il y a une goutte là. Elle est tombée, ma goutte d'eau? Elle est où ma goutte? Elle est à ma goutte. Ah, j'ai mis une petite goutte. Le truc, c'est que je sais pas construire. Ah ouais. J'imagine. Alors, est-ce qu'il faut un outil pour construire une vie dans ce jeu? Ou c'est juste que. Faut aller dans un autre onglet, peut-être? Dans l'onglet, juste. Ah Ah oui, oui. et des fois, il faut une table, des fois. Il me faut quoi? Touffe d'herbe sèche. Ah! Pour faire un truc pour rôtir, parce que moi, il faut que je bouffe. Oh non, il m'échappe. Oh non, il s'est échappé comment? Mais il s'est échappé trop bien. Les coccinelles sont pas méchantes, il me semble. Non, c'est bon. Les coccinelles sont carrément violentes quand tu les attaques, mais ouais, pas agressives. Ouais, voilà, ouais. T'as qu'à pas les attaquer, espèce de fou. Ça de rien. C'était tellement toi. L'herbe sèche, l'herbe Marathon. Hey, il sèche. a des super idées, Sam. Moi, je viendrai en zoom zoom sur le chat. C'était pas Bruxelles, Paris, Barcelone. Non, mais c'est bon. Bruxelles, Paris, Barcelone. C'est pourquoi en plus, genre, ça aurait aucun Allez, sens. rajoute Sydney aussi. C'est ça. Hong Kong après, non? Allez, on passe sur la l'océan, c'est parti. Marathon sur Emerald sans envie pour le frustrer. Oh non, mais ça, là, on serait juste deux frustrés du coup. Je serai en soum soum, hein. Ah, pas. Soum soum. Ok. Bah écoute, moi je vais me faire un. Oh, il y a déjà une araignée ici, merde.
Elle est belle. C'est quoi cette araignée jaune? Je sais qu'il y en a en France. Je sais pas ce que c'est comme espèce. Elle est où la mouche là? Allez. La mûche. Oh, je fais un feu de camp près de toi, comme ça t'en auras peut-être besoin toi aussi. J'ai éclaté de la mouche. Attention, je le fais ici. Tac. Branche à rôtir. Bon, j'ai bu. Mais qu'est-ce que tu fais, Locke? C'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est pour qu'on se nourrisse. Mais où on fait un camp? Non mais d'accord, mais on fera plus tard, c'est pas grave. Au pire, cette truc à rôtir, elle sera peut-être utile quand on sera en vadrouille, je ne sais quoi, on pourra d'accord, sûrement la détruire. D'accord. C'est pas grave, ok? C'est pas grave. C'est intenable, mais bon, ok. Sérieux? Il dit science, comme un ouf. Ah! On peut faire un arc. Rôti de carençon. Bah, c'est bon, je peux le manger alors. On peut plus scanner. Il y a des fourmis, j'ai envie de les combattre. Là. Les petites, franchement, c'est faisable. C'est facile. Ouais. J'ai pas fait les grandes, mais les petites, je n'ai. En 3 coups de HMR, donc c'est rapide. Ok, c'est bon. J'ai bouffé. J'ai bu. Elle saute, sérieux? Les fourmis, elles y sautaient, hein. T'as des patounes et tout. Okay. Ah, m'attaque! Bon, vous avez éclaté. Ouais, bravo. Je peux pétisser quand tu utilises. Ouais, puis on n'a plus de charge pour le moment. Faut attendre que c'est trop cher. Ah, il faut des charges pour analyser, d'accord. T'as mieux le feu? Là. Pas loin. C'est bon, j'ai mis à cuire. Il va falloir qu'on parte prospecter un endroit pour un campement. Faut fabriquer une tarche aussi. Il faut quoi, de la sève, non? Je sais plus. Je vais prendre la sève en tout cas. Je crois, ouais. Ah, les torches. Faut ça et ça, ok. Bah attendez, on va crafter un peu de cordes déjà. Voilà. Ah, la cuisine, elle est chiante. De l'herbe sèche. Bah on s'en fout, elle gêne pas. De l'herbe sèche, ça c'est de l'herbe sèche. J'ai mis 3 bouffes sur le truc. Ah ouais, je vais en reprendre. Elle est bientôt prête. J'arrive, je coupe de l'herbe sèche. Je suis dans le massacre de Charançon là, je me rappelle. Je me défendais. En fait, c'était des Charançons. Est-ce que je peux faire la torche? Oui. Je fais une torche. Je peux l'analyser du coup la torche? Prends avant que ça crame hein, par contre. Derrière nous. Ah non, c'est bon. Il y avait une fourmi rouge, mais elle était pas... Vu que c'est une ouvrière, elle nous a pas attaqué. Elle est où, la machine de science, là? Elle est indiquée sur la carte en permanence? Pas. Ah non, hein. Elle m'a attaqué, la fourmi. Oui, t'as bien ça. Heureusement que j'étais là pour la tuer. La science machine. Elle est où la science machine? Eh, mais c'est une boîte de tic-tac. On peut rentrer dans la boîte de tic-tac? Elle est là-bas, rien. Oui, on peut. Oh, des tic-tac! Je suis trop loin. Ah mince, je vois plus. Je vois plus le chat, il défile plus. Voilà. Oh mon dieu! Tu peux déplacer certains éléments? Je crois que oui, hein. Ouais, tu peux les déplacer, ouais. Bon, voilà, on s'en fout alors. Moucheron empaillé, on peut faire, c'est super. Trop de science. C'est là où t'es, la machine à science? Ouais. J'y arrive.
Sinon, on se peut prendre la machine de science, hein. C'est qu'il y en a plusieurs et c'est... Celle-là, je sais pas la mieux, je crois. C'est pas la plus pratique. Ouais. Oh, je sais plus, je connais pas trop, j'aurais dire. J'aurais aimé peut-être me mettre... La prochaine recherche dans 16 minutes. Oh là là, c'est tellement long. Oh, il y a une big araignée de ce côté-là. Ouais, l'araignée jaune, là. Ouais. Yep, yep, yep. En fait, faudrait être construit un peu en hauteur. Est-ce qu'on peut construire sur des champignons, des trucs comme ça? Je crois pas. Il faut... Hein. Palais, il faut faire des... un sol, mais je sais plus comment on fait. Attends, je cherche. Après, on peut construire sur des feuilles. Oh, là, c'est un peu en hauteur, là. Abri, établi, palier... Non, pas du tout. Alors, franchement, là où je suis, c'est un peu en hauteur. C'est pas trop mal, je trouve. Oh, mais t'es sur la machine, il y a des trucs à faire dessus. Non, je suis pas sur la machine, je suis sur une butte. Ok. Ah, ça me semble un peu plat et tout. Après, on peut aller plus loin. Hein. Ouais, non, ça peut être peut-être pas mal. J'aime bien parce qu'on a vision là-dessus. Genre ici, genre vraiment ici. Ouais. C'est qu'on débute sur une hauteur et... Après, alors, je sais plus comment on fait les trucs, les planches. On essaie de construire les trucs ici. Les planches, en attendant c'est juste taper des herbes, hein, je crois. Hein. Non, mais comment on fait le sol? J'arrive pas à me souvenir. On faut débloquer établi, déjà. Voilà, j'ai mis un établi. Voilà. On est parti. Bon, allez, je tape. Construit un établi. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, il nous faudra des glands. Tu te rappelles de ça? Non. Je vais essayer de nous faire des arcs assez tôt. Il nous faut des mouches. Et... Égale. Et... Des mouches? Je sais pas pourquoi. Je crois que je l'ai vu écrit et depuis ça fait chier. On me juge pas trop, s'il vous plaît. C'est rigolo. C'est vachement méchant. Où sont les mouches? J'en trouve pas beaucoup des mouches, j'en trouve un petit peu ici. Oh, il y a une fourmi violente, méchante là. Je... Ok. Ah oui, c'est pour ça qu'il nous faut des moucherons pour les arcs en fait. Ouais, c'est ça. Elle m'attaque trop, elle. J'ai des fourmis, c'est bon. Un point de repère peut-être. Ouais, sinon c'est où notre base. Bah vie. Oh mince. Est-ce qu'il faut que je trouve comment on fait le sol? Faut continuer à scanner des trucs et comment on fait le sol? Fait chier. Ça va marcher. Qu'est-ce que j'aurais oublié de scanner? J'imagine que ça marche. Je sais... Ah oui, c'est bon, ça marche. Ok, 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 j'étais pas sûr. Ah bah moi, je peux pas, je peux jamais rien scanner, c'est assez chiant. T'as des trucs sur toi à scanner? Examine l'appareil mystérieux. C'est quoi l'appareil mystérieux? Bah, c'est le truc au centre. Sur lequel tu voulais qu'on se mette. Ah ouais, je vais regarder alors. Vas-y, vas-y, va faire tes trucs. Bon, ok. Jésus. Joseph, comment tu faire pour... Ah, j'ai toujours mal au dos encore. Les mouvements ne sont pas fluides. Pourquoi il râle? J'ai faim? Mais c'est pas possible, par exemple, je sais. Il y a un truc à côté, voilà. Mais si, c'est possible avec la kiwi. Ah, j'analyse des fourmis. Casque. Ouais, bon.
vachement utile. Analyse en cours. Ah, chaise, gourdin, pas du tout. On a quand même avancé. Mais alors, par contre, déverrouillage de la matière grise. Déverrouillage niveau 1, niveau 3, niveau 4, niveau 6. Oh la vache. Ouais, mais ça me manque pas tout ça. Ça montre que les objets, j'ai l'impression, les équipements en fait. Ouais, c'est ça. Salut Bloody. Des mouches. Je sais pas comment on va faire. On va taper cette fourmi, ça moi aussi, c'est bien d'ailleurs. Ouais, ouais, bah Gandhi, c'est très sympa. Après, je conseille quand même de jouer à plusieurs. Oh mon dieu, Jésus. Vas-y, il est pas simple. Il y a trois fourmis sur moi, faut que tu viennes m'aider, elles m'ont attaqué. J'y crois zéro. Tu l'es attaqué. Non. Mais c'est bon, il n'y a plus rien sur toi. Elle te demande ce qui se passe. Je vais chercher celle-là. Quand tu charges un coup, ça la stun. Après, tu peux la tuer tranquille. On a besoin de tuer des fourmis. T'as analysé des trucs un peu? Faut qu'on soit un abri. J'ai un analysé là. Ah, moi j'avais un puceron. Voilà! Chaussure d'un puceron. Donc comment on fait de les sols? Putain, les gens ils savent sur le chat. C'est terrible cette affaire. Non, mais il faut faire des parois surtout. Et puis il faut faire des lits. Non mais si tu fais pas les sols, c'est horrible pour tout le reste. Et j'avais regardé sur net, les gens ils avaient, bah, ils avaient vraiment des sols. Enfin, je sais pas comment ils faisaient. Tu sais pas. Merci beaucoup Fredo. C'est très gentil. J'aime beaucoup trop cette alerte. Merci Fredo. Merci pour le sub, t'es super sympa, merci beaucoup. C'est un gros soutien pour moi. Merci, merci. Ça. Juger une vie. Oui, tu peux le juger. Non. J'ai. Oh, je vais me faire ça, tiens. Ah, est-ce que je peux me faire... Mais toi, t'avais débloqué le plancher avant. Ouais, mais je sais pas. Maintenant, t'as fait la torche déjà. J'attends Lexi. Construisez un bandage en fibre et un abri. Ah, viens, faut merci construire beaucoup des abris. Oui, faut construire des abris. Vous voulez les construire? J'en mets deux. Ouais. Ils sont mis. Il faut les valider maintenant. Un point de direction et dormir. Direction et dormir, voilà. Je connais en fait, je joue à des jeux de survie depuis avant que t'es né. Je te félicite, Lox. Ah. Romain, là, t'es au moins aussi forte qu'Adrien pour le moment. Non, je suis déjà plus forte, j'ai pas perdu un PV. Oula, 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 doucement. Je prends pas la peau de l'ours avant de 1. Oui, j'ai pas perdu un PV, il est déjà mort, je parie. Non, il avait des sacs à dos sur la map, c'est partout, des millions de sacs à dos. Qu'est-ce que ça fait? Je crois que tu m'as pas, je t'ai pas vu me frapper là. Hein je frappais une feuille. En vrai, t'as vu la feuille, on peut rien en faire, je crois. Mais oui, elle me gêne. Si on casse autour là. Je pense qu'il faut analyser d'autres objets. Tu l'avais débloqué la dernière fois, tu l'avais débloqué comment? Parce que moi j'étais pas là. Hein. Un, une vie. La dernière fois, j'avais pas débloqué, je crois. Enfin, je sais plus. Je ne sais plus. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'il n'y a pas non plus de parois.
Ah oui, mais là on manque de déblocage, hein, clairement. Il faut peut-être faire un Fabrique panier un bandage en fibre. Vas-y, viens, on fait l'équipe. Ouais, j'ai fait. Découvre de quoi. Non. Découvre pourquoi l'un des rayons manque de puissance. Moi, c'est ça ma quête à faire. Vas-y, va voir. Vrai? Ce n'est qu'une égratignure. Tu l'as déjà fait, toi? Oh, faut que je boive de l'eau. Il faut oui, que je mange. Bah c'est... En fait, quand t'es arrivé, on venait de faire cette quête, quoi. Ou je. Ouais, si. Si, non, même pas, non. Je crois que t'es arrivé, on n'avait même pas fait cette quête. Ouais, je crois qu'on. Bah, t'étais venu avec nous détruire les. Des pucerons sur des câbles ou pas? Non. Ok, bah t'es arrivé juste après alors. Voilà, c'était la première quête qu'on avait faite. Enfin, je pense que c'est la première vraie quête, on va dire. Attends, il me faut de l'eau. Bon, par contre, vraiment. C'est pas bon cette affaire. Il faudrait que. Fasse des trucs, mais c'est dur. Ma goutte est tombée, je sais pas où, ça dégoûte. Fabriquer, on va faire un truc. Par contre, taisez-vous avec vos petites blagues là. Good, 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 good. Voilà. Bon, je vais mettre les champignons là-dedans. Alors, c'est ce rayon-là qui manque de puissance, donc j'y vais. Je vais mettre les champignons, les fourmis, les duvets de fourmis. On met des trucs. Nénuphar, j'en ai plus. Peut-être les personne qui est invoquée avec toi. De quoi tu parles? Pendant son absence. De quoi, comment ça, Lexi? Comment ça? Qu'est-ce qu'il a dit pendant mon absence? Il s'est dit, il me concentré sur le jeu, là. Et non, mais je veux savoir, il y a Fredo, il me dit. Mais Fredo, mais qu'est-ce qu'il dit, Fredo? Il dit qu'il attend une explication de la personne avec qui je suis, liée à quand j'étais pas là. Ah, mais ça, c'était quelqu'un d'autre qui était là tout à l'heure. C'est pas moi. Allez. C'est pas vrai. On va se concentrer. Mais ça dégoûte. Mais j'ai franchement rien qui pourrait te nuire, si jamais tu... D'accord, mais t'as dit quoi? J'ai dit, Lox, elle est trop cool. T'as tellement jamais dit ça de ta vie, quoi. Ça dégoûte. J'ai dit qu'il y aura des lives à venir intéressants sur certains jeux, c'est tout. Voilà. Je ferai pas de Rimworld. Hein. Mais on sait pas. Rimworld. Ah, faut fabriquer une pièce d'armure. Ah, il me faut un établi, merde. Il s'est pété la gueule, mais je trouve pas les. Les petites herbes là. Peur. Salut, Jax. Eh, tu l'avais fini, Glandid, avec Jay et tout? Jamie, Jay hanté. Mais merde. Hanté! Je suis obligé de tuer plus longtemps si je me sub, c'est ça. Si tu te sub, c'est ça qu'il a dit, cet enfoiré. Alors, j'ai pas dit ça. C'est quoi cette affaire? En plus, Jess, il pourra t'aider. Vas-y, Jox, est-ce que tu sais comment on fait le sol dans le jeu? Et sinon, c'est pas grave. Parce qu'en vrai, je pense qu'il n'y a pas ouais, besoin de faire du sol. Par contre, t'as pas intérêt à aller voir sur Google. On veut que ce soit tes souvenirs. Hein. Mais ça à la base, je pense que ça peut être utile. Allez, demander à OpenAI, là. Je vois tout de suite le truc. Les plannings de chacun font que le jeu est un peu à l'abandon. Ah merde. Dommage. C'est vrai que c'est chaud mine de rien de réunir 4 personnes pour jouer régulièrement à un jeu et Grandid est un peu long en plus pour un... C'est un jeu de survie quoi. Et du coup ouais c'est pas simple. D'être assez... D'être ensemble longtemps. Ouais, je suis parti récolter des glands. Ouais, récolter ton gland. Ah des fois ça casse le chapeau mais des fois non. Faut tenter la récolte glandulaire, quoi. Quelle glandulaire? Merci Fredo, c'est très gentil.
De toute façon. Ouais, les arbres des enfers sous terre là. De toute façon, bon. Je comptais me coucher à 2h, c'est déjà trop tard. Hein. Je suis déjà foutu. Ah, t'as analysé les champignons? Je crois, ouais. Bon, bah, j'y vais pas. Une vie a découvert un morceau de gland. Ça ne m'étonne pas du tout. Je sais que ce commentaire là. Te placer, jeune fille, hein. Ouais, je suis parti récolter des glands. Tu es bien? Comme ça, on pourra faire une salade de glands. Tu sais que Benoît, il a imprimé une paire de couilles en 3D et il l'a accroché au sapin. Ça m'étonne pas non plus. Il était tout content de montrer ça, j'ai vu, putain. Mon dieu, c'est beau la 3D. Ah, en même temps que les barricades. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les barricades, donc forcément. Bon, les barricades et essaie le... Essaye d'aller inspecter une, t'sais, une grosse herbe, peut-être. D'aller, pas inspecter, mais t'sais, analyser. Attends, je me fais attaquer par un des acariens. Oh, mais si tu veux te rendre utile, après, c'est toi qui... Non! Je veux pas. Les mêmes qui font tous les événements, quoi, non? Ah, c'est des bouffe-têtes, là! Ça dit, n'oubliez pas de continuer à analyser. Ah, tu l'as, récolte-les pour voir si on peut analyser des trucs, des bouffe-têtes. Ouais, je vais analyser des bouffe-têtes. Alors, je crois que je vais mettre un repère à la machine parce que je sais jamais où elle est. Elle est là, je crois. Bah non, pas du tout. Hein. Putain, j'aimerais bien trouver un autre labo, là. Où je suis. Ça, je pourrais analyser aussi des trucs sans que ça nous consomme les charges de sucre que tu utilises. Ah, ça, c'est indépendant. Je pars du principe, en vrai, je suis même pas sûr. Ah, j'ai trouvé des pétales. Ça, c'est cool. Ah, d'accord. Et si je tape sur le truc, ça me fait pas tomber. Pas assez... ah c'était une fourmi, c'était une araignée. Putain, la conne, ça m'a fait peur. Oui, bah t'as vu comment tu hurles? Ouais, mais j'étais relax, j'étais serein. Oh, le hurlement, quoi. Fait bouger la souris dans tous les sens. J'ai bien saoulé. Bah c'est stressant, ça va? Oui, non, mais... Sans peur, là. Mais c'est surtout que du coup, ton hurlement me fait flipper, quoi. C'est drôle, ça. Il m'a réveillé. Mais oui, tu réveilles mon chat. Et ça va? Genre je fais... Hein? Bon, elle me suit mais je garde mon calme. Oh hanté. C'est Envy qui est avec moi, j'ai écrit son pseudo dans le titre. Ah ouais c'est bon j'ai tout. Mur, demi-mur, table... Putain elle est encore derrière par contre. Putain je me retourne, elle était là quoi. Tu peux le frapper. Moi être suivi dans un jeu, je trouve ça... C'est horrible d'être follow dans les jeux, c'est terrible. Les gens ils sont insensibles à ça. J'ai analysé des mus. Comme quand j'étais petit, quand j'éteignais la... Quand j'allais jeter les poubelles dans la cave, je remontais toujours très très vite chez moi. Je faisais peur. Aïe aïe aïe, il y a une créature. On me demande comment tu vas. Ça va. Oh mais attends, il y a plein de créatures. Mais je suis où là? T'es loin? Attends mais c'est nouveau? Non je suis pas très loin. Je suis à 180 cm. Oh t'as fait comment? Ah t'as analysé une tige? J'ai analysé des tiges et des fibres et des trucs comme ça. Et l'herbe aussi ça a marché? Ouais. L'herbe j'avais pas analysé. J'avais même plus qu'on pouvait à vrai dire. Ah donc t'as analysé tige et herbe, ça c'est cool. Une cassette audio en plein milieu. Ah ouais. Ouah, ça a saoulé l'araignée là. Ça m'a fait peur cette conne. Ça s'est presque pas entendu. Parce que j'étais en train de récolter relax des trucs et forcément tu t'y attends pas. Tu sais, c'est les pires moments en fait. Mais bon, ça vous comprenez pas le chat, évidemment. Hein.
C'est insensible. Bon, j'analyse. Oh non, je peux pas analyser. Non, bah là, j'ai analysé les trucs là. J'analyse. Putain, mais ta gueule! Viens! Ah! Mais c'est quoi ce bordel? Tu vas me ranger ça, hein? Mais c'était déjà là. Hein. Attends, on peut les remonter? Je vais rempicher un peu. Ah, dans 1h40. Ah oui, d'accord, bon courage. Dors bien, Wendy. Et bisous. Ouais, dors bien, Vendals. Bonsoir, Michael. Une excellente année, surtout une bonne santé à tous. Merci, c'est très gentil. Très bonne année à toi. Bon. Et sinon, c'est analysé. Il y avait pas mal de trucs. On moi, a trouvé des parois, mais pas de sol. Hein. Mais au pire, le sol, c'est pas grave. Hein. Bah si, c'est en fait, c'est trop chiant pour poser des trucs. C'était ça qui posait problème avec Adrien, là. Faire un sol sur un point culminant et l'étendre et tout. Ça sera trop fort. Bon, attends, j'analyse un truc. J'analyse. On peut faire des murs et des demi-murs. Wow. Oh, parcelle de jardin. C'est fou, ça. Moi, je le fous. Un rouet. Collecteur de sève. Ok, t'as retrouvé des mouches? Des mouches? Putain. Ça va, c'est bien, ça, c'est... C'est toi. T'as vraiment un blocage sur les mouches. C'est incroyable. Dans la vraie vie, je t'ai jamais entendu dire mouche. Ouais, mais je sais pas non plus. Comme ça. C'est ta faute. Yes. T'as trouvé des flies? Au moins, t'as foutu de ma gueule. C'est sûrement Adrien avec ces trucs. Toujours un peu de vaudou en lui, je trouve. Il m'a sûr que là, c'est Adrien que je vais lui foutre dans la tronche. Tu fais autre chose à part rester au camp et rien faire? Tu vas faire quoi, Diox? Tu te casses? Non. Plaisante. Un peu. En fait, je regarde si c'est pas un outil qui peut nous aider à construire des trucs. Mais tu sais déjà que c'est pas la réponse? Non, parce qu'ils n'ont pas beaucoup joué en fait. Ah, dommage. Faut peut-être. Je vais essayer de faire un concasseur et casser un caillou, peut-être que ce sera ça. Vas-y. Une excellente idée, Lox. Ouais, moi aussi, sauf que je suis trop excellente. Ok, donc on a regroupé des petites choses, c'est pas trop mal. J'aurais aimé récupérer. Tu peux m'aider à récupérer des petites tiges de pissenlit. Ah, mais non, mais du coup ça fait des gravillons, c'est chiant. Enfin, ça peut être utile, mais. Il y a des pissenlits, oui, pissenlit. Je crois qu'il faut que je bouffe avant. Il y en a là. On a même pas fait un feu au camp? Non. Bah, j'ai eu bien. On avait la nourriture d'avance, donc c'est pour ça. Watch where you stick that nose, Weevil. Ah non, les gros pifs, c'est les... Les charançons. Les charançons, au final. C'est un peu violent, je trouve, mon personnage. C'est vrai qu'il y avait vénère, hein. En plus, ils sont gentils, les charançons. Ouais, c'est trop les bros. Ils sont massacrés, c'est tout. Ah là, il y a des épines là, je vois. Attends. Bon bah, je vais me faire un truc à bouffer ici puisque j'ai la flemme de chercher. Ah, tu récupères des épines comme ça, d'accord. Pas mal. Enfin, la chose dans mon sens, c'est pas démissionner bêtement. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Pas mal tout ça, pas mal, Lox. Bah putain, quelle ambiance. Après toutes les fois où tu la remplaces et tout. Et les garces. Inventaire plein, j'espère que t'es contente. Ravi.
Ah la vache. Faut looter tellement. T'as trouvé du coup ce que tu cherchais? Je sais plus ce que vraiment. Tu cherchais. Je cherchais à looter des trucs sur les pistes en ligne. Ah mais faut monter les non? tiges. Bah j'ai l'impression ouais. J'ai l'impression que ça m'a donné. Ok. Je vais manger, je vais boire. Ok. Je peux analyser deux choses. Mais c'est pas des pissenlits ça. Les pissenlits c'est des, c'est des jaunes, des fleurs jaunes non? Ouais mais ils appellent ça des pissenlits. Ok. Peut-être moi qui confonds. Oh non je suis tombée. Ah regarde j'ai débloqué pas mal de choses mais c'est toujours pas bon. Ah le broyeur on peut le faire. Ah bon ça sert à quoi? À la concupiscence? Non je sais pas. Ok donc ça fait pas mal. Attends donc moi le service. Ouais j'ai... T'as vu le gros? C'est des pissenlits où tu souffles dessus, c'est la même chose. C'est vrai? C'est des pissenlits où je souffle dessus? C'est fou ça. Donc regarde, j'essaie de détruire celui-là, j'essaie de le récupérer. Bah je te souhaite de pouvoir te barrer avec le meilleur avantage, Jokes. Regarde toi. Et où t'es, où t'es, où t'es, où t'es, où t'es, quoi? Je tape celui-là et je sais pas où il va tomber, mais faut que t'essaies de récupérer vite. Ça tombe pas. Ouais, attends, c'est un peu long à péter. Ok. Récupérer yes. des duvets de pissenlit. Je pense qu'il reste pas très longtemps en fait. Il y en a que 3. Faudrait hein. Peut-être les. Ouais, bah ok, mais faudrait les analyser, je pense. On y va. Oh, je peux pas. Objet non valide. Il me dit objet non valide. Du objet non valide NV. Trop bizarre. Bah ouais. C'est à dire que c'est un outil genre si je... Attends si je le mets dans mon inventaire. Mais oui il y a une barre d'utilisation. Attends. Ah c'est pas pour faire des sauts genre Là je l'ai sur moi. Parachute. L left shift. Attends attends je vais essayer de sauter. De pas trop quand même. Oh oui moi... Ouais c'est ça ok. Je me souvenais pas de ça tu vois. Je sais pas s'il y avait avant. Voilà, maintenant ça m'a paru logique à l'instant, mais avant ça, je... Bah ouais, t'appuies sur Shift quand tu sautes et voilà. Ok. Je vais voir si je peux. Il restait des charges d'analyse, du coup. Tu l'as pas consommé. Bah non, du coup, ouais. On va y finir comme l'hiver dernier. Ah ouais, c'était l'horreur. Bah j'y vais. Putain, ça craint. J'analyse des trucs. Je peux. Ouais. T'as. Le panier, t'as été putain d'arrangeant avec ta bosse quand faire même. Du jus avec. Et les pétales. Et j'ai plus rien. Et en plus, on a dû déplacer le multicrédit. Ah, toi le trampoline. Punaise, mais il n'y en a pas encore. Je sais pas si un on bon a courage ça, en tout cas. Non. C'est embêtant. T'es pas allé voir le truc qui foirait, Lox? Non, j'y vais. Pas allé. Alors normalement, c'était des petits pucerons qui sont sur les câbles. Comment il m'a spoil? Ah oui, c'est vrai, tu redécouvres. Désolé. Ok, je mets plein de trucs de côté. On est pas mal, hein. Enfin, je pense. Ok. Non, c'est dit. Est-ce que... C'est les bouffe-têtes qui le rongent, quoi. T'attends, je fais du feu. J'ai fait une pelle, du coup je vais récupérer
des trucs de flotte. Dans la flotte. Si tu vois des trucs sous dans le sol, tu pourras me dire, tu sais, des petites bestioles là, des vers quoi. Il faut une pelle pour les asticots, je crois. Ouais, j'en ai fait une là. Je vais chercher les glands pour ça. Oh, je vois rien, c'est affreux. C'est terrible, c'est affreux. Tu t'en sers, Locke ? Il y en a vachement. Est-ce que tu as besoin d'aide ? Peut-être je vais venir quand même. Je sais pas, je suis obligé d'explorer une grotte. Ah, je te vois même pas. Hein. Monsieur le fille, il va dans la grotte. Moi, je récupère un peu d'argile en attendant. Si ça te convient. Super. Non, j'ai vu de l'eau au pied de mes couilles. Non, je voulais pas appuyer sur eux. T'es dedans la grotte? Ouais. Oh. J'ai trouvé du marbre robuste. Keep it simple, Hoops. Scabby, additional flavor scheme available. Ah, mais tu les lootes pas les trucs que tu tues? On suit un peu, mais je voyais rien au tout début puisque j'avais pas ma torche. Alors, j'ai pris alors torche. Je tuais dans le vide quoi. Ah, ça on peut prendre ça. Ouais, j'ai pris des trucs un peu. J'ai cassé, je suis allé au bout, j'ai pris une sorte de montre et puis voilà. Il y a plus rien d'autre? Ça on peut pas, ouais, ok. Attends, ça on peut pas? Ouais, non. Régler. Ok. Bah, c'est bien. Waouh, je vois le jardin de haut. C'est trop marrant. C'est quand même bien fait. Vers l'infini et l'au-delà. Il fait déjà nuit. Bah ouais, mais en même temps, on dort pas beaucoup. Burnout de la mano. Les chantiers sont super terminés, donc on t'a fait la fatigue, is ok. Comme dirait l'autre, ouais. On prend sur soi en avance. C'est en avant que t'as creusé son trou. Ok, je vais analyser l'argile. On a juste décidé de me casser les couilles, mais je suis bien moins fatigué, donc je me défends bec et ongles. Putain, bravo. C'est quand même assez ouf. Alors, quoi. Si t'es obligé de te défendre contre ton fondation. Boss. Fondation. C'est pas ça? Non, je sais pas. Peut-être. Mais punaise, je me souviens plus, quoi. Bon, j'en ai utilisé tout ce que je pouvais. Va, Nox, t'arrêtes de tous encore un peu. Ouais. T'es passé une soirée avec vous. Mais oui, quand tu peux, Jox. Des bisous. Bon courage. Salut, Jox. Il faut que du coup je vois ça. Il était sympa. Moi, j'ai une cinématique. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, c'est vrai. Comme ça, ça nous fait trop croire qu'on va redevenir grand et c'est pas vrai. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh, ça on le savait. Merci beaucoup du bijou. Merci, c'est trop gentil. Ça fait une explosion. Très trop relax. Oh, c'était plus impressionnant que j'imaginais. Ouais. Bon, les moucherons. Des gens pragmatiques. A
Viens, on va dormir, Lox. Ok. Moi, je dors. Oh, moi aussi, je dors. Comme je devrais faire maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de nouveau? Un poste à smoothie? Bah, ça, c'est important. On t'est rendu pas bien loin après ça, je pense. 3-4 heures de plus. Ok, d'accord. Ah, mais nous, on est trop fort. Mais c'est vrai qu'il est pas... Il est un peu long, le jeu, quand même. On veut qu'on aille là-bas, du coup, Lox. Ah, il y a des fondations en argile. Ouais, mais bon, argile, t'en trouves jamais, ça... Ça me rassure pas des masses, quoi. Ah, sinon, c'est échafaudage. C'est des échafaudages, je sais pas. Non, mais on va aller voir Burgul. Non, on n'a pas encore rencontré le robot. On va aller le voir. Bah, Burgul, ouais. Mais on va aller le voir bientôt. Parce qu'on sait où il est, de toute façon. On l'avait toute façon. Enfin, on est un petit peu joué à pas très très longtemps. Et il était déjà dans le premier jeu. Dans le jeu quand il est sorti. Ouais, c'est vrai. Au même endroit, d'ailleurs. Et on va aller le voir bientôt. Ah, faut que je bois avec je bouffe. Attends, j'ai tué plein d'acariens, ça fait de la bouffe ça. Ouais, j'ai mis plein de trucs de côté partout. Tu veux, j'ai de la nourriture. Je viens de manger ce que tu cramais. Il faut que je boive. Viens, on va trouver sur le chemin. Bah où parti. En plus, c'est le matin. Vers le grand chêne, du coup, vers l'explosion. Ok. Et vu que c'est le matin, on va pouvoir. Il y aura pas mal de gouttes. Il y en a une déjà. Oh, je l'ai eu. Salut, Shalvadagit. J'ai acheté le jeu, je pense l'acheter. Si vous pouvez partager votre avis, ce serait sympa. C'est un jeu qui est. On est sur un jeu de survie qui reprend les codes du jeu de survie. Si t'as déjà fait un jeu de survie, tu seras pas trop dépaysé, je pense. Mais faut aimer ça. J'ai oublié de préciser que c'est un jeu de survie. C'est un jeu de survie. Il me faut de l'eau. Il y a des gouttes partout, tu les vois pas? Non, je les vois pas. Attends, j'essaie de monter là-dessus, là. Voilà. Ensuite, on conseille quand même de le faire à plusieurs, parce que mine de rien, solo... Je pense qu'il est pas mal chaud, notamment avec certains ennemis qui sont quand même importants à tuer pour pouvoir récolter des trucs. Ah ouais, j'ai une goutte de jus. Attends, et du coup, en solo, je pense qu'il est vraiment dur. Surtout quand on découvre vraiment... Oh, j'ai réussi à la science. Bravo. Surtout quand on le découvre en pur solo, je pense que c'est assez difficile. Bon, viens là, que c'est par là. Ensuite, je trouve que l'univers est trop bien, moi, perso. C'est l'un des univers de survie... que je trouve le plus intéressant à explorer. Et niveau ennemi... Oui, je te suis. Niveau ennemi et difficulté, il y en a, hein. Clairement. Tu progresses pas super vite quand tu découvres le jeu. Parce que tu dois être prudent, parce que tu dois vraiment t'équiper. Ouais, c'est ça, des insectes qui sont pas agressifs, mais qui peuvent être très intéressants à tuer, mais qui sont des sacs à PV. T'en as d'autres évidemment des agressifs et t'en as pas mal des agressifs, des petites merdes aux grosses araignées en passant par les punaises et trucs comme ça. Et en plus maintenant il y a aussi le... Enfin maintenant, il n'y avait pas quand on a découvert le jeu à sa sortie. Il y a en plus le côté aquatique qui franchement a l'air trop cool à explorer. Moi j'ai vraiment hâte. Le côté aquatique et insectes volants maintenant. Et, ah ouais, c'est sûr alors ça, parce que moi je suis pas sûr. Je vois plein de guêpes et de bourdons depuis le début, je me dis que bon... Ouais. Bah ça c'est à voir, en tout cas on peut planer. Et en plus, se poudrer d'une histoire en fait, il y a vraiment un petit scénario, une petite histoire et tout. Et qui a une durée de vie je pense pas dégueu, de ce que j'ai cru comprendre. Ambiance parce que... années 90 en plus. Ouais voilà, un petit côté...
Un petit côté 90s, effectivement, un petit côté chérie, Tracy, les gosses classiques comme on a connu à l'époque. Bien, c'est je sais plus où est l'entrée, excuse-moi. Là, bah, vas-y, on peut prendre un... Oh, des glands, j'en ai déjà pris en fait. Donc, ouais, je trouve que. Il y a un délire un peu de pexing aussi. Qui est sympa. Ouais, ouais, je te vois de loin, mais j'ai plus d'endu. Ouais, ils ont mis des mutations dans le jeu. Il y a du pexing, ouais. Quand tu fais quelque chose à répétition, tu gagnes une amélioration permanente. Et tu peux aussi avoir des points. Avec un ami qui avait tendance à mourir très souvent. Attends, là. Dolrez, voilà. Un amas de sève. Attends, je vais essayer de le péter. Il me faut ça, je pense, pour le péter. Un marteau, je crois. Ouais, un marteau, ouais. Ok. C'est marrant. J'ai retrouvé le labo. Non, je pensais que je pouvais passer en dessous le tronc, je peux pas. Ah si, c'est bon. Et du coup, le pacing, vu qu'il y en a aussi un autre délire quand même, de modification ADN, où on peut choisir, où genre t'as des points et tu peux améliorer... des grosses araignées. Où tu peux t'améliorer, ouais, mais... Tu viens ? Mais tu choisis ce que tu veux améliorer. Du coup, bah c'est ça aussi, c'est cool, le fait qu'il y ait un petit pacing. C'est pas de la survie, genre classique à ZForest, où t'auras pas vraiment de... Il me semble, hein, dans ZForest, il y a pas de pacing ou des trucs comme ça. Donc moi, je trouve qu'il est complet, en fait, comme jeu. De survie. Exploration qui est cool, histoire, pexing et forcément beaucoup de craft. Et des monstres qui sont des défis, enfin des monstres, des bestioles. Voilà, après je suis pas très objectif parce que j'aime bien le jeu. Mais effectivement tu peux le tester sur le Game Pass directement avec des potes si vous voulez. J'ai analysé une toile. Et si vous êtes du genre à... Ah ouais, est-ce que je peux... Non j'ai analysé. Le bord de l'eau ici. Et si vous êtes du genre à... avec tes potes, si tu fais avec des potes ou même solo, mais que t'es du genre à avancer bien dans un jeu, un mois de Game Pass ça peut suffire pour le faire et t'auras pas eu à payer plein pot le jeu qui est pas donné. Bon, qui est un bon jeu, hein, je pense qu'il vaut complètement son prix, mais tu peux l'avoir avec le Game Pass. Tu peux l'avoir promo, à 1€. Alors oui, mais non, moi j'ai pas eu 1€, je pense que j'ai eu trop de promos. Non, en ce moment il est à moitié prix le jeu. Ah, il est à moitié pris. Ah ouais, bah j'avoue, alors c'est peut-être intéressant du coup. J'ai rallumé le robot là. Salut Bulgur. C'est gentil d'avoir expliqué aussi bien. Et oui, avec mes potes là, on pense à l'acheter. Ok, d'accord. J'espère que vous serez pas déçus. Et le Game Pass est une solution pour pouvoir y jouer ensemble sans trop investir si vous voulez éviter. Tu parles robot là. Ouais. Il m'est sorti par la bite celui-là. Merci Shalva Geek. Merci beaucoup. Et puis bah je t'en prie, pas de soucis. Que faites-vous dans le jardin? Je ne sais pas, pour être franc, je ne me souviens pas de grand chose. Attendez, je peux faire une voix de robot. Une désintégration tension a provoqué une explosion massive de la science brute confinée. Mais je résonne trop là. Tu résonnes un peu. Je résonne un peu. Comme vous pouvez voir, le labo est dans un état catastrophique. Pire encore, l'explosion a perturbé ma puissance de calcul. Mes banques de mémoire sont corrompues. En fait, vous avez oublié toutes mes excuses. Comment puis-je vous être utile? Voilà dans le labo du chêne, le docteur Wendell, le Dr. Perry, qui l'a construit pour s'en servir pour ses expériences. Sur le monde du très petit. Voici la base des opérations. Ah ok, du coup là, il peut me donner plein d'infos. Ouais, la plateforme, c'est là où on était tout à l'heure. Et le professeur Tully. Oui, un scientifique qui est doublé d'un inventeur. Il y a aussi mon créateur. Récemment, il est promu responsable scientifique pour aider le docteur Tully au cours de ses expériences. Il serait cependant de m'indiquer que cela fait des semaines que je n'ai pas vu. Comment je peux rentrer chez moi? Activer la plateforme où on était tout à l'heure, j'imagine, de Dr. Tully, malheureusement inutilisable à cause d'un dysfonctionnement. Peut-on réparer?
Ah, il analyse. Oui, à travers de l'ordinateur RAM défectueux, Scott. 408B, 3000, erreur. Ok, ils sont occupés plus que moi, sauf plus endommagé que prévu. Il faut des puces mémoire, du coup. Il y a deux laboratoires. Ah, ok. Il y avait que celui-là dans la version qu'on a, à laquelle on avait joué. Ah ouais? Bah, il me semble, hein. On n'avait pas trouvé d'autres, il me semble. Oh, parle tellement, par contre, c'est un peu long. Ouais, je l'ai fait avec Adrien. Bah, c'est... bah, quand t'es venu, je l'ai fait. En fait, on était là, on en était là, il était rattrapé. On est allé ensemble ici, rappelle-toi, avec Didi. Oh. Ouais. Faut que je déroule le poste de forge. Reste appuyé, regarde. Non, il n'y a pas plus de scientifique. À étage. Alors ça nous donne moitié de plancher en herbe. Plancher en herbe. D'accord. Bon, je le prends direct. Bravo. Et je prends des quêtes. Tu fais des charançons, artisan max à gaz. Poste de forge, ça coûte 100. Pour la cuisine aussi. Fondation en gravillon. Fondation en gravillon peut-être, hein, on n'a pas assez. On va prendre fondation en gravillon, je pense. Bon, du coup, faudrait peut-être aller chercher la puce. Comme on a fait la dernière fois, mais c'était chaud la dernière fois. Ouais, là faut qu'on s'équipe. J'ai 4 soins après. J'en ai un. En vrai, ça peut le faire, hein. C'est pas de la grosse fourmi, je crois. Alors moi, après, je suis pas du tout équipé. Hein. Ok, bon, viens, on s'en va. J'ai même pas d'armes, j'ai qu'une une hache et un truc. On va retourner à la base et on va s'équiper un peu. Et un martal. On va foncer de la mi-four. Et où qu'on rentre? Ah mais du coup c'est ouvert ici. Ouais là où... Ouais voilà, c'est toujours là, allez voir. Moi je fais un scan. Ah il y a plein de science. 500. Ça me fait rire comment on trouve la science comme ça. C'est comme ça que ça marche, hein, Lox. La science. Ouais. Comme elle dit, Abin. La science. La science. C'est imprononçable, elle arrive à bien le faire, elle, en fait. Viens, on s'enfuit. Courant avant la nuit, les araignées sont méchantes la nuit. Tu vas agresser. Ah. Elles sont actives la nuit et pas la journée, je sais même pas. C'est le robot qui fait. J'énerve là. Je crois pas, c'est un autre truc, hein. Je sais pas. J'avais l'impression que ça venait toujours de la même source audio et peu importe où il était, du coup j'ai l'impression que c'est pas lui. Bon, on s'en va? Ouais. Je suis en allée, moi. Tu viens avec moi ou pas? On essaie de tuer des fourmis sur le chemin? Ouais. Pour choper des équipements de fourmis sauvages. Moi je vais prendre la masse pour les stems. T'es derrière moi, tu me suis ou pas du tout? Ouais, t'es pas très loin. Je suis devant. Non. Je te vois pas. Ah, j'ai trouvé la fourmilière. Tu me vois pas, Lox? T'es trop loin en fait, j'ai l'impression que t'es sorti par une autre sortie. Fais. Mais non, tu peux rien dire. Après, dans options. Non, mais je suis obligé de passer par là où il y a des araignées. Échappe. Mais non, fais le tour. Moi j'ai fait le tour. Par les petites arbres. Ah, fais le tour. Tu peux faire échappe option et afficher la distance si tu veux. Regarde, moi bon, je te rejoins. Non, tu vois où je suis là. Oh, moi j'avais juste continué tout droit, il y avait déjà des fourmis. Bah, j'essaie de retourner vers la base et comme ça en même temps j'ai trouvé la fourmilière. En arrivant, on en avait trouvé une. Ok. C'est par là.
Là. Et une fourmi déjà. J'ai plus d'endu. Attends, je mets un premier coup. Recule-toi, viens, on se recule à fond. On s'est mis... frappé un peu. Ouais, moi aussi, je t'ai frappé un peu. Waouh, elle me l'a défoncé par toi. Par toi, par toi, par toi. Oh, si t'arrives à monter, en... à monter un peu, à faire reset. Oh la vache. Et je vais reprendre la hache, hein. Pas rentable. On, Willow, oh, tu verras pas, tu verras pas. Je sais. Vache. Ouais, tu peux peut-être tenter. Ouais, je vais essayer, je vais faire le tour. Ok, j'entends plus la musique de combat, j'arrive. Ouais, elles sont normales, je pense pas qu'elles vont t'attaquer, on verra bien. Ok, faut que je soigne vite. Je sais pas si elles vont m'attaquer, moi, par contre. Ok, je me suis soigné. Je me soigne, mais ça donne pas grand chose, hein. Ouais, après, c'est sur le temps que ça heal. On tente d'en tuer une ou deux, quand même. Ouais. Elles viennent vers nous. Je mets un gros coup de hache. Je charge, là. Fais gaffe derrière toi. Ok, on a fait... Viens, on marche un peu, genre, gentiment. Oh, elle m'a esquivé, VJ. Cours, 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 j'arrive, j'arrive. Oh, on a beaucoup sur toi. Ok, une de moi. En train d'arriver. C'est bon, petit flux. Pour Mire, c'est quand même pas, pas simple. On va vite s'équiper. Mais avec celle-là qu'on a tuée déjà, on aura un peu de stuff. Je suis sur ton route là. Je me suis... Ouais, je viens de voir ça. Ah, c'est bon, il y en a une qui a arrêté de te suivre. Saloperie, va. Oh, elle m'a tué, bon. Oh, fais gaffe, t'as combien de vie? T'en es où? Je n'ai pas beaucoup. Fais gaffe. Tu peux bouffer ta barre, appuie sur 7 de ton clavier. Ça va te donner de la vie. Ah oui. Y'a plus la musique, je pense. Ouais, y'a plus la musique. Je suis en train de revenir. Oh non, meuf! Y'a une qui m'attaque. Et puis la musique. Attends, on va sur elle. T'as 6 secondes, je sais pas si t'y arriveras. 3. Ouais, t'attaques. Ouais, attends, c'est peut-être, t'as peut-être passé. Ouais, non. Oh merde. Bon. J'ai tenté. On va aller récupérer notre sac. Bon après c'est pas trop mal en vrai. Ressusciter, ressusciter, on va ressusciter un autre camp, parce qu'on est pas très loin en vrai. Et je pense qu'on aura assez pour se faire des trucs. Ressusciter, ressusciter, oh, ressusciter tout court, c'est ça? Ah oui. Ouais, c'est ça. Oh, j'ai vu une mouche. Une méuche. Moi, je vois pas de nos sacs à dos, ah si. Trop dur son stuff. Ouais. Enfin après c'est pourtant c'est quand même les premiers mondes, ça devrait être
Enfin, non, mais attends, elles sont nombreuses, hein. Une par une, y a pas de soucis, mais. Ouais, c'est ça. On a leur fourmilière, quoi. En fait, c'est qu'il faut bloquer les attaques, j'y pense pas. Oh, Locke, ça tente avec moi là? Oui. C'est le moment. Le moment de quoi? Une larve. Voilà. Oh, la polastico. Là, ici. Voilà. Je laisse la tuer. Vase d'astico. Dégueu. Là, là. Eh, d'accord, là, tu les vois comme ça. Ok. On en a pu en récolter un peu. Et ça, ça sert à quoi? Je sais plus, mais ça, c'était vraiment utile quand j'ai l'autre partie, quoi. Bande de charogneuses. Alors. Mon sac a été retrouvé ou pas? Moi j'ai pris mon mien. Ouais, moi j'avais pas grand chose en vrai. Ouais, il avait écrit Lox, il a écrit sac à dos de Lox, moi. Oh la vache, tout ce qu'il y a. Ouais, c'est chaud la fourmilière aussi, hein. Bon, on se croit qu'on peut. Ah oui, non, mon sac est là. Il est là. D'accord. Viens, on se barre tout de suite. On se barre et on attend qu'elle monte là pour la tuer. Viens là, elle a fui. Comment elle fuit? Punaise. Ils sont allés chercher des potes, hein, à la compète, hein. Viens, barre-toi, Lox. Ok, viens par là. On grimpe là-dessus, là-dessus. Et on les attend. Fais gaffe, t'as pris beaucoup de dégâts. Ouais. Oh la salope. Ouais, je les ai prises, on partagera. Comment elle fuit bien? J'ai lancé ma lance deux fois, je l'ai raté. T'as tout pris? Nickel. Ouais. On va retourner. C'est très pratique le pissenlit, t'en veux un? Non, ça va. J'en ai eu plusieurs. Oui, on repart, ça va faire nuit. Je suis. Ah, une petite, fourmi toute seule à ta gauche. Oh. Ils font trop chier quand avant ça. Ça se barre dans la fourmilière. Ouais, viens. Moi j'ai pas suivi là, vous. Merde. Mais putain! Elles font que fuir! Elles sont bien, elles sont malines, non? Moi je suis. Ouais. Viens, on se casse. Ça prouve que les mobs sont bien codés, hein. Ouais, attends, viens, faut observer une créature, appuie sur X. Ah! Voilà, c'est bon, je l'ai fait. Ah, d'accord. Ah, oui, d'accord, je me suis dit, pourquoi il y a une croix à côté? Et que moi je pensais que ça voulait dire que c'était un truc qu'on pouvait pas faire maintenant. Rançon. N'hésite pas à observer quand tu vois un truc. Ah, il y a une fourmi là. Ouais, en face de moi. Non, derrière. Ah bah, je verrai un temps. Oh là là. Oh la vache! Je vais te
bétail. J'ai jeté ma lance, je l'ai presque one shot, mais elle s'est tirée. Elle s'est tirée avec ma lance, quoi. Ah! Bon, je me barre. Ah, mais ton point il m'indique un endroit où t'étais pas du tout. Sympa! C'est pour ça que je te voyais partir à l'autre bout. Bah ouais, j'étais à mais super loin. J'étais juste à côté de toi. Bon. Ah mais en fait on est sur une trace de chaussure. Là on a fait la base. Ah c'est marrant. Voilà, j'ai retenu une fourmi qui était chez nous. Elle lui fera. Elle lui fera les mandibules. Je vais voir si je peux analyser des trucs, mais je crois pas. Oh, faut que je tire un charbon son. Ah si, je vais analyser ça. Science. Ok, ça donne même pas de formule. Et ça, je peux analyser. Ok. Je vais donner juste un science. Peu, un peu de science. Donc quand on aura 2500 sciences, on pourra acheter le truc pour faire les sols et puis on pourra faire une base normale, donc dans très peu de temps. Mais c'est de la science. Donc ce qu'il faudrait c'est aller dans la fourmilière quoi. Trouver sans bien s'équiper. Oh, mais j'ai... Bien s'équiper et aller dans la fourmilière et tout casser. On peut faire masque. Aller dans la fourmilière, ah, on peut faire mais les non. trucs en gland. Ah oui, non mais avec du staff, bien sûr. Non, c'est là c'est... qu'il faut aller. Faut aller dans le tronc. Ah c'est la fourmilière en fait le tronc. Ouais. En gros. Plus lourde charge, armure légère. Jambier en gland. Menace majeure. Ah, c'est plus résistant. Ah, mais attends, il y a écrit menace majeure. Donc genre en gland, tu te fais plus attaquer? Ah, peut-être. Si je clique dessus, dis quoi? Menace majeure. Ok. Alors on devrait peut-être se faire en fourmi. On se fait en fourmi, mais il nous faut des duvets d'acariens. T'en avais tué plein des acariens, toi, non? J'en ai un peu. J'en ai un. Ouais, j'en ai. Bon, viens, on dort. Déjà. Hop. Voilà. Ah, t'en as... il en faut peut-être une quinzaine par joueur. Moi, j'en ai 4. Donc, genre, il faudrait juste qu'on aille en tuer quelques-uns des acariens. Ils étaient près du télescope, non? On y va? On y va vite fait? D'accord. Allez. T'as, regarde là-bas près du télescope le bourdon énorme. Tu le vois ou pas? Ah oui. Tu vois, il y a aussi tout vu, le côté. Ouais. T'as... Et j'ai pas vu qu'un bourdon, j'ai vu peut-être une abeille aussi. Ah oh, super, il y a des gouttes. Faut une goutte aussi. J'ai du pollen. Oh, il a fait tomber du pollen. Putain, c'est faux. J'ai analysé la coccinelle. Ah ouais, j'ai un truc d'envie là-bas. C'est trop bizarre. Ouais, c'est trop chiant. À chaque fois, je ne sais plus. Je suis mort qu'une fois, pourtant. J'ai récupéré mon sac. Bah, je sais pas. Mince, attends, c'est par où? J'ai perdu le fil du chemin. Ah si, c'est pas. Bah, la goutte, elle est buggée, d'accord. Elle vole. Bon. Ah, je vois les acariens, ils sont là. Crabe de tête là. T'as peut-être mis un point en appuyant sur X. Ah, ça doit être ça. Voilà, c'est bon, ouais, il est plus. Ouh, il y a une créature chelou. Une larve. Pépé, tu trouvais de l'eau. Ha!
Ouais, par contre, c'est sûr si j'arrive pas à boire. Ouais, c'est bon, j'ai enfin pu boire. Ok, attends, tu vois, j'ai un truc d'analyse là. Ah là, ok. Ici, il y a l'air d'avoir quelque chose. Ah bah c'est là. Ah regarde, il y a un autre poste. Ouais, j'ai vu. Je croyais que c'était pour ça que t'étais là. Ouais, c'est ça, mais je suivais le radar et ça me... Ah, on peut... Science, on peut acheter. Ah ouais, d'accord, l'appareil marche. À plat. Terminal ADSL, on a une quête. Placer un point de repère à l'emplacement sur un fourmilière rouge. Ok. Ah, j'analyse un truc que j'ai trouvé, du pollen. Éternellement subtil, une dague. Oh, trop cool. Attends, là, tu t'es parti où? Dans l'eau, il y a une petite plaque. Oh, il y a de l'argile, je le prends. Ok. Viens, retourne au télescope. Pardon. C'est juste là. Ouh, il y a une bigaragnée. Je crois qu'elles sont pas méchantes quand on est la journée. Oui, oui, bien sûr. Faut pas entendre. Moi, je suis sûr, c'est ok. Non, non. Ah, c'est toi, la vache. Il y a de l'argile encore. Ouais, il y a une petite araignée. J'ai plus trop de place. Oui, mais c'est celle-là qui m'a attaqué de ouf. Et donc, si, elles sont agressives. J'ai plus trop de place. Ok, je prends. On vient pour retrouver. C'est où le télescope là? Ah, il est là. Mais c'est quoi que t'appelles le télescope? Ça là? Enfin, je sais pas, c'est un genre de télescope. Ouais. Mais il y en a trois, c'est pour ça que je sais jamais duquel tu parles. Ah ouais, on est pas trop bon en fait. Mais j'y vois. Y'a pas d'acarien quoi, ici. J'y suis sous terre. Ah viens, j'ai pas trouvé d'acarien. Ah si, là. Oh, c'est une fourmi. Retrouver l'autre. Ouais. Où il y avait tous les acariens que t'avais trouvé là. Ouais, je sais plus lequel des trois c'était moi. J'ai oublié. C'est en allant vers l'arbre, il me semble, non? Voilà. Voilà. J'observe autour de moi si j'en vois. T'es tout bugué, toi. Ah oui, t'es très bugué. Non. Non, bah toi, je suis en rançon. Non plus. Si, t'es bugué. I know I'm a picky eater, but still. Ah, j'ai trouvé un charançon ici. Il attaque un puceron. On attaque rien. C'est pas le charançon, c'est ça qu'il faut qu'on attaque. Ouais. J'entends leur bruit là, je les reconnais. Ils sont sous terre, hein, non? Bah, j'en tue là. Ah oui, y'en a là. Pas mal. Non, c'est une fourmi. C'est de la grotte du coup, non? Ouais. Ah, ils sont encore là. Ah non, y'en a pas. Ah non, je vais manger un champi sans faire exprès. Ça nous répare un petit peu. J'ai pas fait attention, j'avais peur que ça m'empoisonne. Ah. Ah, j'entends leur bruit là. Ouais. Demi-tour. Oh putain, c'est une punaise. Attends, c'est impressionnant tes punaises, hein. Ouais. Ah, je déteste ces ennemis des enfers là. Comme IRL, hein, c'est l'horreur. IRL, ça fait R. Je déteste ces bestes.
Ça vole chelou, c'est imprévisible, non, j'aime pas. Et du bruit. Ah, ils arrivent. Non. Ah, je vais faire un frelon qu'une punaise. Les punaises, je vais choisir entre avoir un frelon dans ma bouche et une punaise, ça sera le frelon direct. Oh, moi, je sens tellement la punaise. Ah, blablabla. Non, jamais. Donc, on a peut-être assez de trucs, on y va. Non, mais t'es. Tu arrêtes tes conneries. Non, mais le frelon, il te tue. Genre, il te pique dans la gorge et tu meurs. Ouais, mais au moins, c'est sain, ce truc. Pas sain du tout. En plus, un frelon, c'est dégueulasse aussi, hein. Ça traîne partout et tout. Ouais, bon, aucun des deux, mais dans le doute. Voilà. C'est toi qui as parlé de oui, d'avoir ça dans ta bouche. Avec tes commentaires, je comprends rien à chaque fois. Alors, on peut faire un casque, un premier casque. Je fais un casque. Et j'en fais un deuxième pour toi. On va aller doucement. Après, je vais faire des. C'est quoi, c'est fourmis, non ? Attends, moi aussi, je peux en faire. Non, attends, j'ai fait deux casques déjà. Je me fais ton équipe. Le plastron, on va le faire en gland. Le plastron, parce qu'on peut pas le faire autrement. Je vais faire deux plastrons en gland. Si ça te convient. Oui, d'accord. Bonsoir, Obscurzia. Est-ce que tu as besoin d'équipement ? Ouais, j'ai besoin des duvets et tout. Enfin, les jambières. Alors. Et je pète. Voilà, je te mets un peu des trucs. Ça va mettre dans le coffre. Tout début ? Ouais. Ouais, on a commencé il y a genre une heure et quelques. Je te mets tout ton stuff dans le coffre là. D'accord, je te remercie. Oh, j'ai encore soif, ça me saoule. Ah, il y a de l'eau juste au-dessus de notre tête. Attends, je la prends. Viens là, oh. Ok. Ok, c'est bon. Comment t'as trouvé ? Ah oui. On va être un poil plus solide. Bordel. Ouais, de mais il me faut des armes aussi. Faudrait que je m'équipe. Ouais, après. Maintenant, il faudrait qu'on fasse des petites weapons. Ouais. Alors, on pourrait faire la lance, elle est bien, mais elle fait pas mal. Branchette épineuse, c'est bien. Le gourdin fait mal, mais il est lent. La branchette épineuse, je pense que c'est le bon. Ouais, il faut en faire une. J'ai fait un arc, mais je peux pas en faire deux, malheureusement. Bah super, ça dégoûte. Par contre, du coup, je pourrais... Ah, dague en... Ah, mais ça fait pas mal, la dague. Couper les plantes sous l'eau, d'accord. Ah, il y a une dague. La dague, elle est vraiment pour l'eau. Oui, il y a une dague qui est faite pour l'eau, ouais. Il faut de la chair de charançon crue. Bah, toi, il te faudrait le bouclier avec, ça serait bien. Il faudrait qu'on nous fasse deux boucliers, en fait. On trouve des charançons, on se balade un petit peu, vite fait. Ok. Les gros pifs, comme ils les appellent, là. Ils sont trop méchants. J'aime bien les charançons, ils font des... Mais c'est vrai qu'ils sont plutôt choupi. Je crois qu'on pourrait avoir des pets. Et tu crois que ça ressemble à ça, un charançon ? Ouais. Que c'est un genre de petit scarabée, au final. Ouais. C'est vachement mignon. Moi, je trouve que ça ressemble à ça. C'est pas près de l'eau, les charançons ? Bon, je sais plus. Il y en a partout, hein. Ah, il y en a un là. Ah, oh, il se fait attaquer par une fourmi. Oh, elle l'a défoncé. C'est méchant. Bah ouais, les fourmis, c'est un gang de connasses, les fourmis. Je l'ai tué. C'est partout, les charançons. Ouais. C'est vrai, ouais, il suffit de tendre l'oreille, en fait. Et t'entends... C'est le canard. Rôle de bruit, là. C'est chair de charançon cru qu'il nous faut ? Ouais, il nous faut des crues, ouais. Ok. Les champignons, quand on les mange, ça fait quoi ? Ça fait grand-chose. Ça donne très soif, mais un peu de faim. Bon, ça dépanne, j'ai très faim.
Bon, j'en trouve pas là, je vous ai dit. On t'en veut pas, t'en trouves partout. Oh, y'a la putain de punaise. Non, mais c'est l'or. Ouais, je veux pas aller vers la gauche, quoi. La punaise là. Non, c'est que des herbes sèches ici. Tiens, pas trop. Oh, regarde, y'a des toutes bestioles dégueu. Oh non, y'a les bestioles qui sont infectées par les champignons, les pauvres. Ah non, vas-y, on se casse. C'est trop les pauvres. Inspecte là avec X, peut-être. Tu fais X et après tu fais E. Ah ouais, pas con. Bah, tu peux aller, j'ai fini. Tu sais qu'ils nous jettent des trucs, hein. Fais gaffe. Non, effectivement, il faut pas spoiler. Mais moi, ça analyse rien. J'ai une idée, hein. Ah si, c'est E. Je suis trop loin, je crois. Ouais, bah, laisse tomber, fais en part. Mais bordel, je trouve pas de charançon. Larve infectée. Non, mais il y en a partout des charançons, hein, et là. Moi, j'en ai trouvé 3. Attends, mais what the fuck? Ah, là, j'en ai un, enfin. Ouais, j'entends ton perso parler d'un nez. Non, je sais même pas ce qu'elle disait en plus. Possible, elle aime pas les gros pifs, mon perso. C'est vraiment du bully, hein, les gens. Body shaming, quoi. Body shaming, c'est plus à la mode, meuf. Ah, j'ai une araignée, tiens. Moi, je crois qu'elle est pas méchante. Non, non, elle est grave méchante, l'araignée. Dans le jeu, c'est hyper méchant, les araignées. Bah, en même temps, on a une proie de tout trouver, quoi. Non, non, c'est juste méchant, point. Non, mais il y avait de la science derrière. La science. La science. La science. Ça, c'est dur à dire. Moi, je trouvais de la science. Il en faut combien les charançons? 3 ou 4 pour un bouclier. 4, 3. Ah, j'en entends un. J'ai entendu un ose. Ouais. Bon, je pense que j'en ai assez, moi. Quand même, peut-être un ou deux pour toi, avant que t'en aies assez. Ouais, normalement, j'en ai assez aussi. Faut refaire au camp. Okay. Par contre, on peut le faire qu'au camp, j'imagine. Je pense qu'il faut l'établir. Ouais, moi, du chêne, t'en auras plein. Ouais, mais je pense qu'en fait, on s'était un peu trop éloigné et qu'il y a quand même des biomes qui préfèrent. Et genre, si on reste pas trop loin du spawn, j'ai l'impression que ça va. Parce que là, tout à l'heure, on était dans des herbes sèches. Je pense que les herbes sèches, ben, ils aiment peut-être moins ça. C'est pas faux. Bon, moi, j'ai fait le mien. J'aime pas les boucliers, moi. Slot. Après, tant pis, j'aime pas. Dans aucun jeu, jouer avec des boucliers, ça me gonfle. Oh, les chiens. Non, ouais, il me faut de la peau d'asticot, j'en ai qu'une. Allô? Oui. Il me faut de la peau d'asticot, j'en ai qu'une. Je sais pas c'est quoi de la peau d'asticot. Bah, c'est tiens. Un asticot et il y a de la peau. Tiens. Merci, hein. Bon, on est un peu mieux équipé pour faire la guerre. Ah ouais, mais par contre... Ah, le gourdin, il est à deux mains. Ouais, moi le gourdin... Non, c'est... faut pas faire le gourdin. Bah moi j'ai fait ça. T'as fait le pic, c'est à deux mains. Ah merde, chier. La branchette épineuse, c'est à deux mains, ouais. Ouais. Bon bah tant pis, bah à deux mains. Chaîne, c'est quand même dangereux. On y allait un petit peu, mais effectivement... Bon, c'est qu'il y a les araignées, quoi. Après, en dehors de ça, ça va. Bon bah là, on peut y aller. T'as de la bouffe un peu en rab ou pas? Je t'en ai mis une, si tu veux, au pire. Ouais, j'en ai un peu. Attends, on en est au niveau science?
2400... Putain, que dalle. Attends, récupérer et fabriquer des pierres aiguisées ou du plaquage. Ah, on peut faire des pierres aiguisées là, je crois que j'avais ce qu'il faut. C'est où déjà? Allez, je suis coincé. Ne va attends, pas c'était où le truc des pierres aiguisées déjà? Alors je sais pas, on avait mis trop de temps à savoir ce que c'était que cette merde. Ah oui, j'ai trouvé. T'as vu la petite araignée loup? Il y en a plusieurs des araignées loup. Ouais, j'ai vu. Mais je suis sûr, mais la journée en vrai, on passe dans leur truc, ça va. Hein. Elles font dodo. Dedans, hein, de quoi tu parles? Oui, je suis passé proche quoi, mais elles font dodo, elles sont, oui, elles voilà, sont au calme elles-mêmes, c'est une petite araignée loup quoi. Il faudra placer un point de repère à la fourmilière. On va y aller. Je pose les trucs un peu inutiles. Putain, mais c'est, on a, c'est un bordel. Hein. Je te défonce gratuitement. Je sais pas pourquoi je fais ça. Oh, okay, j'ai du miel là de puceron. Ah oui, peut-être l'analyser ça. Ouais, je vais l'analyser. Attends, j'avais mis des trucs à cure ou pas? Ah non, j'ai pas assez de bouffe. Putain, j'ai pas de bouffe. Attends, bah j'en ai peut-être sur moi. Consommer, enfin si j'en ai une. Ouais, bon, une ça ira, je pense. Ouais, ça ira. Tiens, j'en ai deux à faire cuire. Bon. Ah bah vas-y, fais les cuire. Tu me rejoins dès que. Bah attends, c'est pour toi. Ouais, mais tu veux dire, prends-les sur toi. Normalement. Il me faut de l'eau. J'essaie de faire une gouttelette. J'avais mis quelle difficulté? On a mis quelle difficulté? La deuxième. La deuxième. On a pas mis la... la plus dure. On a mis celle d'avant. J'avoue que les mobs plus durs, ça m'intéresse. Mais alors les armes qui cassent plus vite, je trouve ça juste. Ah, surtout pas sur Google, c'est quoi du miel à puceron? Mais je sais ce que c'est du miel à puceron. On a tous déjà vu des reportages sur ces, ces petites fourmis qui allaient chercher... Bah elle les élève non les pucerons? Ouais, elle les élève et elle les traite. Elles arrivent à faire un élevage il me semble. Ouais c'est ça, elle les traite. Enfin elles mettent, enfin traite. Elles prennent ça dans leur estomac et elles nourrissent les autres fourmis directement de leur estomac. C'est un peu dégueu. Trop stylé. Oh attends. Le miel hein. Bonsoir Danator, bonne année à toi aussi. La science, je veux la science. Je me tire. Attends, je vais analyser le miel puceron. Oh, elle m'a vu, elle m'a vu. Oh bah non. Oh, c'est okay. Pas analysé. C'est cool. On avait des... Ah, objet non valide. Objet non valide. Mais ouais, pourquoi pourquoi moi je peux rien analyser? Très bonne année à toi aussi, Dadator. J'espère que ça s'est bien, ça a bien commencé pour toi. Mon Lox, tu viens avec moi? T'es où? Je me prépare à aller à la fourmilière rouge. Ok, je suis à 60 cm. Je prends juste ça, et donc du coup on peut prendre des fondations en gravillon. Voilà, c'est acheté. On est bon. Oh, je suis là. Bah, je crois qu'il était par là, le fourmilière. Enfin, une des deux. Celle du chêne, mais... Mais tu veux laquelle? Celle-là, regarde, elle est là. Je l'ai trouvée juste à côté. Bah, celle-là, bah sinon, faut qu'on aille au chêne directement et qu'on passe par là. Ah non, mais celle-là, c'est bien. Celle-là, c'est parfait. Oh, mais fallait pas qu'on aille à celle du chêne? Parce que là, forcément. Ça... Bah, parce que là, on va faire quoi, là? Bah, en fait, dedans, dans les fourmis... Ah, mais il y a une araignée à droite, là! Non, c'est une araignée soldat. Ah. Une fourmi soldat. Une araignée soldat. Pourquoi pas. Bon, je mets un... Fallait mettre un point de repère ici, je crois. Oh, Jésus, elle m'attaque. Ah bah, c'est les soldats, hein. Ok, ok. Elle prend pas beaucoup cher. On a deux en plus. Ah, je suis coincé. Oh putain, heureusement qu'on est protégé. Hein. Il y en a trois. Et le problème des fourmis, c'est qu'elles se préviennent entre elles. Non ! Viens, on va à l'autre. On va aller à l'autre. Vous avez l'armure fourmi rouge? Ouais, en partie, je crois qu'on a juste un truc en gland, je crois. On a un casque gland. Une de moi, mais par contre, je suis mal en point. Ah ouais, attends, j'arrive. Je croyais qu'on fuyait. Du coup, j'ai continué à fuir.
Wesh. Laisse-moi les flèches, laisse-moi les flèches. Ah pardon, mais c'était pour te les donner après. Ok. J'ai pas assez de pour te faire un deuxième arc. Ok, bon, t'as déjà récupéré les flèches, mais... Je te donne les deux que j'ai trouvé. Attends, attends. Elles sont à l'air, hein. Tiens. Elle n'attaque pas si vous portez la meurfour, mes rouges. Ah, ah, la complète. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais, mais il nous faut des larves et j'ai, des... Non, il nous volait, je sais plus, des... un truc de... d'acide ou je sais plus quoi. Oh, putain, elle va me tuer. Tu m'aides pas, Lox? Bah, en fait, j'étais parti à la fourmilière pour finir ton panneau. Ah, ok. Et t'as pu? Non. Tu manques quoi? Ah, non, c'est surtout regarde que. Regarde derrière toi, t'as ramené une fait... fourmi. Voilà, c'est ça, c'est que je me suis fait un peu. Un peu. Spawn kill. Oh merde, j'ai lâché au pire moment. Bon. Hop là, je l'ai loot. Tout, hein. Même jeté ma lance et tout. Ouais, y'a une flèche dedans. Deux. Et la lance, tu l'as retrouvée ou pas? Ah yes, elle est là. Attends, je te donne les flèches. Il y en a 5 là. Jeter la lance, c'est beaucoup trop efficace, hein, par contre. Hop là. Pas où tu les as mises? Je les ai mises par terre. Je t'ai vu les looter. Ah, attends. Ah, ok, d'accord, c'est que tu les as déjà posées. Non, non, elles sont là. Attends, il manque quoi pour construire? En fait, je les loot quand je passe dessus. Ah, trop bien. C'est quoi pour. Il manque quoi pour construire le panneau? Ah, j'ai pas le temps de voir. Attends, y'a une ennemie là. Une ennemie? C'est bon. Elle est où? Pourquoi on va à cette fourmilière? Parce qu'on a le panneau à mettre pour la quête. Je me fais encore attaquer. Y'a une soldat encore? Ah, fais chier. T'as de la vie? T'as assez de vie? Oh la vache! Ah, je vais tirer dans l'œil, ça fait trop de dégâts! Putain, c'est excellent, qu'est-ce principe là? Ah, mais à part viser l'œil d'une fourmi. Que j'y sais, ah, mais oui, y'a. Ah, faut le mettre là-haut, tu crois, directement? Ah, bah, d'accord, il est déjà là-haut. Un... Voilà. Ouais, ouais. C'est bon? Ouais. On se barre? Ouais, bah ouais, du coup, on va à une autre. On va aller à l'autre, ouais. Fait chier, moi j'avais posé. T'inquiète, t'inquiète, on va trouver ça au obscurcir. Non, mais on les a, je les ai juste posés. Je les avais posés, les flèches de trèfle. Je pensais pas qu'on en avait besoin, j'avais zappé. J'avais zappé. On peut analyser les trucs de fourmis soldats, peut-être. Ouais, j'ai pas fait gaffe qu'on a loot d'elle. Ah, bah on les a. Ah, bah c'est ce qu'il nous fallait pour l'armure fourmi. D'accord. Bah c'est très bien qu'on en ait tué. Elastogum. On va pouvoir. Ouais, on va pouvoir faire le. Analyser la tête, ouais, ouais. Nickel. Bon bah viens, on va pouvoir faire la fourmi, c'est parfait. En fait c'est ça qui nous manquait, les trucs de fourmi soldats. Ok. Et les glandes ou je sais pas quoi là. Les glandes calorifères. Et du coup maintenant on peut finir cette armure, on a été obligé de faire l'armure en gland. Mais l'armure en gland ça me faisait chier parce qu'il y avait écrit menace majeure, genre comme si ça poulait les mobs sur toi. Oui. Ça me fait un peu chier. J'aime pas trop ce truc là. Ah voilà, on peut faire la plaque en chitine rouge. Ok, parfait. Bah, tu pourras la faire, toi. Moi, je peux la faire. Alors, on est sur la triplette. Il manque une glande d'acide. J'en ai que une. Ok, pour te filer ça. Tiens, j'en ai. Je les mets dans le coffre qui est là. J'aime pas mettre par terre. Le dernier, quatrième. Où est-ce qu'il est? Il est là. Excellent, Lox. Il est là, lui. On n'irait pas dormir. Avant d'aller à la fourmilière. I am sleepy. No joke. Comment ça, on aurait cucu? Attends, j'attends juste que ça finisse de cuire. Ouais. Je me dis que vous êtes rikiki à côté. Oui, bah, rikiki. C'est littéralement le cas. On est rikiki. On
est Riri et Kiki. Hein. Après, on a exactement 1h45. C'est un début. On me fait des mûches. Mouche. Là j'en vois, regarde. Au réveil, j'en vois des mouches. C'est le matin ou quoi? Oh, oh, moi je vois trop pas. Dur à viser. J'en ai vu deux, mais j'arrive pas à les retrouver là. Elle vole, regarde, on les voit là. Voyage, je l'ai eu. Et de One. Putain, elle fonce dans la flotte. Ok, une. Peut-être une autre. Ah, putain, elle est tout là-haut. Ça va tomber dans l'eau. Oh, oui, je l'ai eu. C'est pas trop chiant à avoir en fait. L'arc ça vise super bien quoi. Putain, on va encore rouler au fond de l'eau, saloperie. Voilà. Ouais, moi aussi, il me faut de l'eau. Restez loin avec votre gros nez. Non, mais elle a un ouais. Problème. Hein. Elle est chelou. Ils ont tous un peu une genre de pseudophobie, tu sais, un truc où. Ils sais qu'ils aiment moins que les autres. Ah, mais le matin, laisse tomber, il y en a beaucoup plus des petits cons. Ou alors, en fait, c'est juste que t'as un pop chaque jour et que, bah voilà, si tu, si tu les as tués. De quoi tu parles, des moucherons ou des. Ou d'autres choses. Les mouches et. Ok. Donc ça, je peux manger, consommer. Ok. On est parti vers le grand chêne, Loxounet. Ok. Après ça, je vais me coucher, moi. Oh, on a fait le choix. Oui, bah, je suis déjà pas mal. Bon, je sais. Et qu'à venir plus tôt. Oh, j'ai fait que t'attendre. Pas vrai. Je trouve plein de. de Bobby là, hop. Bah la fourmilière d'être par là. Ah bah elle est là, littéralement devant nous. Ah, il y a une vieille larve, regarde ça. Ah ouais, elle nous attaque à tes chiots. Putain, elle vient sur nous. Ouais. On la tue, on fait quoi? Je crois qu'ils font mal, hein. Vas-y, go. Ok. Ça marche bien la protection, dis donc. Oh merci. C'est à toi que j'ai mis un coup, j'ai vu pourtant des trucs verts. Je suis pas chaud là. J'ai... Ah non, on l'a vu toute ma vie, putain. J'ai pas perdu en point de vie. Si tu manges, c'est bon. Ouais, mais j'ai rien. Ouais, enfin, j'ai un truc quoi, ça fait chier. Mais c'est pas grave. Je suis triste. J'ai pris un bandage. C'est bon. Et on y va, Lox. Pas de temps. Ok, t'es là. Ouais, bah du coup ah, il... Ouais mais si, du coup je fais mon arme. Ah. Mais non mais si on je le fais moi. Oui attends. Oh. C'est vrai que... Qu'elles sont nombreuses hein. Attends. Elles vont pas nous attaquer, on est pas là pour les tuer de toute façon. Ouais. Je sais pas pourquoi on est là mais on est pas là pour les tuer. Bah, fallait trouver la puce du burgule. Et ça glandouille hein, vous êtes pas censé faire des trucs vous. Ouvrière, tu lui parles. Ouvrière à la con. Hein. Il nous a pas attaqué, la soldat. C'est pas énervé pour le moment, mais je vais pas rester près d'elle quand même. Bon bah, je peux mettre ma torche aussi alors. On peut hésiter à prendre des cailloux, il y a des cailloux un peu plus. Ah oui, c'est vrai. Particulier, tu sais. Là, j'en ai trouvé un. Des cailloux qu'il faut tailler après. Nice, un éclat de marre. Ah, un éclat de marre. Au moment. Pas vraiment ce qu'on cherche. Ah ouais? Oh, j'en sais rien, mais j'ai pas l'impression. Mais ça servira un moment ou un autre de toute façon. J'essaie de récupérer tout ce que je trouve, mais y'a pas grand chose. Ah, elle m'attaque pas, c'est trop bien.
Ouais, c'est vrai qu'elle nous fout la paix, ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'au début, on n'avait pas attaqué de fourmis soldats, donc on ne pouvait pas, en fait. Non, c'est bon, j'ai trouvé le scab. C'est quoi? C'est l'objet qu'il fallait qu'on trouve. C'est la puce? Ouais. On va dire, faut sortir maintenant. On pourra aller voir aussi l'autre fourmilière. En plaques d'armure qui sont utilisées pour améliorer les piquages. Ah, d'accord, donc les éclats de marbre, en fait, c'est bien. Ça ouais. Améliore les armes et les armures. Ça, il y avait même pas avant, je me rappelle. Ah oui, oui. C'est bien, on avait joué à la sortie du jeu, il n'y avait pas grand chose, et là du coup tu le redécouvres, c'est plein de... Ouais. Bien, faut grimper là, Lox. Ici. Ah, c'est quand même plus simple sans avoir à tout péter. Hein. Hier, on s'était galéré avec Adrien, on avait tout tué. Ouais, les soldats. Qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils font rien? Je sais pas, pour que ça fasse un peu peur quand on arrive et qu'on voit des petits trucs qui bougent pas avec des grandes pattes. Ok, bon, on peut se barrer. Je sais plus où. Allez, on retourne là-bas. À 217 jours de survie. Faut pas aller voir le robot? Si, t'as raison, tu as raison. C'est exactement ce que je voulais qu'on fasse. Et je voulais voir si tu suivais. Mm-hmm. Et on passe par la gauche, ça sera plus rapide. Je te félicite, Lox, t'as suivi un petit peu. Moi, je suis fatigué. Ça, on l'aura compris, hein. Par où? Là, ça doit pas être bien loin. Ça voit des toiles de ce côté. Je pense qu'on a fait un trop grand tour. Oh putain! Oh, j'ai envie de. Bon, il prend! Surtout, regarde, il y a des poches de toile là. Ah non, il y a des petites araignées, attends, fais gaffe. Oh, mais c'est trop la merde, pourquoi on est allé là? Wouah! Il y a une big. Attends, t'es où là? Que moi? Ah ouais, elle est là. Ah, mais elle fait dodo, c'est bon. Elle ronfle. Elle fait dodo. Bah, elle ronfle. Attends, oh, elle a, attends, elle m'a vu. Putain. Elle passe? Elle me voit? Non, c'est bon. Elle m'a pas vu en fait. Ça, c'est stressant. Hein. Les grosses araignées comme ça, c'est immonde. On a bon, moi j'y trouvais. On passera à droite. Où est l'eau? Ah, on peut analyser une mandibule. Oh bah super. De larves là. Et de la viande de larve, j'imagine. Voilà, ur de moucheron. De moucheron. Mmh. Yeah. En fait, c'est que le U, il me gêne. Ça s'entend. T'as donné sa disquette à Burgulu? Bah, je sais pas, Il me propose pas de nouveaux trucs. Si, c'est bon, il nous a donné une nouvelle quête. Trouver la puce virgule pierre de tombe. Ah, faut trouver toutes ces puces, bah oui. C'est quoi ça, bouclier humain? Ah, c'est ce que tu voulais la dernière fois pour être plus solide? Ouais, je crois que c'est ça. Ah, bah faudra le prendre alors. Ouais. On aura 3000. Bah, super! C'est pas mal, on peut retourner au camp et voilà. Ouais, si ça te va, moi ça me va. Allez. On retourne à la maison. Non, c'est les portes, elles font. Je sais pas pourquoi elles font. C'est les portes qui font ce bruit là. Ouais. Oh, les petits cons, ils me font chier à courir. Attends, on peut déterrer un truc vite fait aux deux, vu qu'on en voit là, c'est plutôt rare. Mais moi je vois rien comme ça. Là, regarde. Je t'attends. Attends, j'attends que tu me rejoignes. Viens. T'es sorti par une autre sortie encore? Non, je sais pas, c'est juste à droite, regarde.
Coucou. T'es prête à taper? Si c'est parce que ça peut être une larve en fait. C'est forcément une larve, non? Non, c'est barré. Non, ça peut être, tu sais, les trucs dégueulasses. C'est un asticot. Parfait, parfait. Oui, et ça peut être une larve si on n'a pas de chance. Il y en avait un deuxième. On voit bien le jardin d'ici, t'as vu? Ah oui, putain, y'a pas le flot. Y'a pas le flot, y'a pas d'herbe. C'est quoi le truc dessous là? C'est une dent encore? Ah oui, y'a une dent dans le jeu. Il y avait des araignées pas loin alors j'ai pas fait. Attends, je peux peut-être avec mon marteau. Ah non, il faut un rang supérieur. Ah, il faut ça nous donnera du matos. Okay. Bon bah j'ai pas trouvé le deuxième. Ah, il est là. J'ai vu un truc qui a bougé. Moi je suis à d'autres coccinelles. Ça marche en plus. Ouais, c'est rigolo. Elle s'en fout. Franchement. Oui, on s'en va. Vraiment très passif. Hein. On les tuera plus tard. Les... Ah, moi je vais m'en faire des. En vrai, on aura peut-être besoin pour des staffs et tout. Ouais, ouais, complètement. Oula, full fourmi qui tape. Qui tape des chansons, je pense. Un vieux, une vieille larve, ils étaient toutes dessus. Elles mais étaient ouais. Dessus. Attends, je leur pique leur viande. Hop là. Oula, vache, on aura des problèmes. J'ai piqué la viande des fourmis, elles sont trop deg. Tiens, oh, t'as peur la bulle, je savais pas ce que c'était. Mais attends, mets-en moi une. Ça donne un peu de bouffe. Ouais. Ouais. Franchement, à cette échelle-là, en vrai, tu sens les morceaux de sucre, genre tu les croques. Ouais, tu les croquer. Ça doit pas être tout fluide, tu sais. Ouais. Imagine le cholestérol, le diabète que ça te fait là. Une énorme goutte là. En vrai, c'est beaucoup. Après, proportionnellement, ouais, c'est comme si tu buvais 50 canettes quoi. Donc, c'est juste que tu vas boire qu'une gorgée et tu. Elle attaque quoi la fourmi? Ah, elle attaque un petit charançon. Vraiment vénère les fourmis. Y'a vraiment un point faible dans les yeux, non? J'ai l'impression. Hein. Ah, peut-être. Moi j'ai jamais fait attention parce que bah. Je tape un peu en mode YOLO avec mon énorme machin. Ouais, bon après c'est un peu ce qu'il faut faire. Et bon, bah du coup, prochaine fois on pourra genre essayer de se faire une belle base, tu sais, pour. Ouais. Voir tout ce qu'il faut, les trucs, les machins. Et après repartir à l'aventure. Hop là, oui, truc à cuire. Nickel, on est trop fort. Ouais, une bonne session. Du coup, si je fais B, on aura les fondations. Si je regarde un peu, ça doit être ça là-dedans. J'attends que c'est cuit. Fondation, gravillon, il faudra des pierres. Il faudra beaucoup de pierres. Oh, ça va. Mais c'est pas trop chiant, je pense. Surtout qu'on peut casser des cailloux qui ont des plates en fabriqué. Je veux juste voir à quoi ça ressemble. Plancher en herbe, ouais. Ah ça, je support. Oh putain, on peut faire des échafaudages. Ouais, j'ai vu ça. Donc on pourra faire des fondations. Ah, il faut quand même de l'argile un peu. Ok. Bon, on se fera un truc, hein. Putain, des trucs qui se stackent que par 5. Chemin en gravillon, on va pouvoir se faire un chemin. Non, on peut se faire une base de ouf. Bah après, je sais pas si on a assez de place là où on est, hein. Non, mais après on peut faire un chemin, on part. Déjà, on pourrait faire un chemin qui traverse là pour faire un pont. Ouais, ou alors, faudrait peut-être qu'on trouve le bon endroit, tu vois, maintenant qu'on peut. Si ça se trouve, c'est pas un bon endroit. Peut-être se renseigner en fait, tu vois. Oh, bah, en cherchant, ça serait plus sympa. Mais si on trouve un spot, on se dit moi, je veux m'installer ici. Tu vois cette terre, un jour ça te appartiendra. C'est que c'est vrai que je me demande juste c'est quoi un bon emplacement dans le jeu, tu vois. Je sais pas. Il y a des oiseaux ou quoi? Ah putain, regarde le corbeau! Là-haut, tout là-haut sur le truc, le télescope, je sais pas quoi. Oh waouh! Non mais laisse! Je tentais ça. Oh! J'ai des pièges, j'entendais. Oh putain! Par contre, ça, une abeille. Ah! Lock, je fais quelque ah, chose! Il est immense! Waouh, les dégâts qu'elle m'a mis!
derrière. Je l'entends. Il nous répond son pollen. Oh, son dard. Je rate de ouf. Je suis une merde. Ouais, il me fait trop mal. Tu peux me raise ou pas? Je vais essayer. Oh, t'es trop bien caché. Ouais. Oh, et franchement, et on peut l'avoir. Elle est morte. Aïe. Putain, je la loot. Putain, trop chaud. On n'a pas le niveau, hein, on le sent. Un peu tôt pour tuer la belle. C'est rigolo. Je vais essayer de l'analyser. Vas-y. Je crois que c'est pas moi qui ai le loot, toi, c'est... Ah si, j'ai eu du duvet d'abeille, non? Beaucoup, j'analyse. Oh, j'ai du duvet de mouchon, je pourrais tirer un arc. Maintenant on peut faire des équipements d'abeilles. Une lance à dard, un masque d'abeille, jambière d'abeille, épaulière d'abeille et un trophée. Oh, on peut faire une lance à dard. Ouais. Elle est plus forte. Ouais, j'imagine. Une épée larvaire aussi. Capable d'empoisonner. Non mais carrément. Ça c'est avec les larves. Une torche monkey millénaire. Parce que c'est... Il me fait peur ce corbeau. Ouais, il est pas là pour rien. Mais c'est sûr qu'à un moment ça va être un souci. Si on passe en dessous de lui là, il nous fonce dessus, le petit gars. C'est... Bon, allez, petite. Ok, attends, je veux juste tenir l'arc avant de filer. Il faut juste du duvet. Je sais pas s'il en reste quelque part. Il t'en reste sur toi? Non. Attends, bah non, j'ai que celui d'abeille maintenant. Bah remarque, c'est pas grave, on en trouvera. L'arc, je peux te le donner, mais je peux pas te faire les flèches. Donner le tout neuf, c'est celui-là. Ouais, tiens, je vais le jeter par terre. Ouais, merci. Il n'y a pas de flèche. Je peux choper. Allez, chope. Bah, il veut pas. Des flèches, si on cherche un peu, il y en a peut-être un peu partout. Bon, il veut pas le choper, ça marche pas, ça bug. Tu peux le ramasser, toi. Ouais, je le mets dans un coffre, du coup. Ouais. Je le mets dans le dernier. Ouais, ça déconne un peu. Oui. C'est bon? Oui. T'as peut-être des flèches sur toi, ceci dit. J'en ai une. Ok. Bah comment on... Un truc avec Alt. Bon allez. Moi je vais arrêter la VOD. Et puis je vais quitter. Bisous à VOD.